Et il est agréable pour nous aujourd'hui, entre frères et sœurs, de se retrouver pour recueillir l'immense Seigneur d'amour fraternel. Nous qui, que la nature a posé sur ce petit territoire, ce petit bout de terre que nous avons de nous, et c'est seulement l'amour qui peut nous sauver. Donc nous sommes ici pour poser nos joies et nos souffrances, notre rêve devant Dieu. Nous avons appelé cette soirée notre rêve. Que le rêve, notre rêve, c'est que le rêve de Dieu soit parmi nous, ou bien qu'il vienne, s'il n'est pas déjà parmi nous. Et comment se réalise ce rêve de Dieu? C'est ce que nous allons essayer de construire ensemble. Donc le premier cantique que nous avons choisi, c'est « Ma glorieuse est toujours dans l'esprit ». Il y a pas d'autres endroits où nous pouvons poser ce qui nous pèse. Et il y en a eu pour les paramètres qu'il a vu, il allait trouver la source de la réflexion dans la Bible, nulle part ailleurs que dans la Bible. Alors, nous allons faire ce chemin. Et tout ça, notre présence ici vient de Péanama, sa base, et le corps, l'homme, et le lien avec le lien, je le lien avec le feu, la vie. Il leur répondit,
C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions les arracher? Non. Dit-il, de peur qu'en arrachant du pré, vous le déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord du pré. Et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans le creux. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de semé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter la semence. Nous allons commencer notre rencontre ce soir par un beau chant. Ton relais fait monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher tour et célébrer sa bonté. Et puis, le compositeur essaie de décrire un peu forêt, mon site enchanteur, fleuve majestueux. Dieu, torrent prestigieux, le sol merveilleux, prodigue et répand la fécondité, soyez bénis Togo, soyez bénis Togo, soyez heureux, pays de nos amis. Quelle belle terre en humain, la Bible qui raconte, qui décrit Israël, et quelle luxe ton pays. Que nous avons chanté tout à l'heure. Qui est venu semer de l'ivraie dans ce beau champ? Ma belle technique écrivait, y a-t-il quelque chose de plus évident que la présence du mal dans l'univers? Ces tentacules atteignent tous les niveaux de l'existence humaine. Le mal est un fait sérieux et colossalement réel. La Bible décrit le mal sous la forme symbolique de l'action insidieuse d'un serpent. Un serpent qui injecte la discorde dans la symphonie harmonieuse de la vie dans un jardin. La discorde. La Bible dénonce également prophétiquement l'injustice, tenace, hypocrisie, détestable, qui est aussi le fait du mal, en clouant sur une croix entre deux brigands, le meilleur homme que la terre ait connu, Jésus le Christ. Mais la participation publique du mal, la Bible parle beaucoup du mal. Dans la parabole de l'ivraie, Jésus dit que l'ivraie est de l'ivraie et non l'illusion ou l'erreur. Semée par Satan, l'ivraie est toujours néfaste et mortelle. Au sujet des mauvais œuvres, Jésus dit en ce temps, je ne cherche pas à expliquer leur origine, mais elles sont l'œuvre de l'ennemi, l'ivraie. Il reconnaissait que la force du mal est aussi réelle que la force du bien. Dans le vaste champ de la vie quotidienne, nous voyons le mal dans ses détestables dimensions. Nous le voyons exprimé dans les tragiques que nous voyons liés venant de l'égoïsme, l'égoïsme de l'être humain. Nous les voyons dans les situations élevées où les hommes sont prêts à sacrifier la vérité sur les autels de leurs intérêts propres.
Nous voyons le mal dans les nations impérialistes écrasant notre peuple dans l'injustice. Nous voyons aussi à travers des gouvernants qui écrasent leur peuple, le mal. Nous le voyons vêtu des impôts, de la guerre catastrophique que laissent les hommes et les nations en faillite. Ouais, à mon sens, l'histoire de l'homme est l'histoire du combat entre le bien et le mal. Toutes les grandes religions en ont parlé, le judaïsme et le christianisme, ils voient traditionnellement le conflit entre Dieu et Satan. Le christianisme affirme clairement que du long combat entre le bien et le mal, le bien sortira toujours vainqueur. Le mal est enfin le compte condamné par les forces et les puissances du mal. Le mal est condamné. Nous le voyons le vendredi saint. La mort, puis la vie qui émerge. Nous voyons Jésus crucifié sur la croix, et puis après, qu'est-ce que ça a donné? Nous voyons également d'autres événements dans l'histoire de l'humanité, et après, qu'est-ce qui a surgi de plus beau? Quelqu'un disait, la vérité terrassée se redressera. Oui, la vérité terrassée est appelée à se redresser. Je commence là par le mal parce que pour pouvoir lire ce qui nous arrive, lisons au regard de la Bible et voyons ce que le chemin de la Bible nous trace. Mais dans tout cela, notre Dieu reste un rempart. C'est un rempart que notre Dieu. Nous avons une foi et nous croyons que nous,
Certains sont là, ils sont encore ici. Et d'autres disent, nous ne pouvons pas là-bas. Mais nous pouvons nous mettre là devant Dieu. Et souvent nous poser devant Dieu. Avec tout le chemin qu'on a fait aujourd'hui, nous verrons ce que Dieu a. Est-ce que nous croyons que ce qui s'est passé après maintenant peut se passer encore aujourd'hui? Que ce Dieu-là, n'a pas changé. C'est notre foi. Nous devons mettre à l'offrande. Dieu seul peut faire. Et quand on dit, c'est pas comme les autres, c'est que nous ne pouvons pas faire. Alors là, nous pouvons dire que nous ferons notre part. Et puis, nous aurons cette confiance en Dieu qu'il fasse avec nous. Donc, les amis, n'avons que ce cœur pour Dieu. Mettons-nous dans un processus de foi actif pour voir Dieu se réaliser, se manifester sur notre chemin. Seigneur notre Dieu, Père, nous te louons pour ce moment que tu nous as donné d'être là devant toi et pour les paroles que toi-même tu as fait passer pour nous aujourd'hui. Nous voulons croire que tu n'es pas un Dieu violent et que la violence ne peut engendrer que haine et violence. Et que ton projet pour nous, c'est d'arriver à trouver cette porte qui peut nous mettre ensemble sur cette petite terre qu'est trop ensemble. Combien d'années tu nous parles maintenant et que nous sommes enfermés dans nos idées, dans nos petites fenêtres, dans nos petites lectures, dans nos lectures savantes. Devant toi, il n'y a pas de savant, ne sois pas savant. Tu nous as donné l'intelligence, mais une intelligence qui nous permet de revenir vers toi. Nous te demandons et te confions tous ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui, qui exposent leur vie. Nous te prions pour toutes ces familles qui ont été blessées, meurtries par toute cette violence que notre pays a connue, connaît depuis ces derniers mois. Nous te le confions. Nous te demandons, Seigneur, te supplions que ce ne soit pas vain que le sang des enfants versés, disons, mais Seigneur, donne-nous de ne jamais tomber dans la violence. Et ne tombe pas dans la violence, d'avoir cette confiance en toi et de pouvoir réagir dans notre vie et pour nous. Fais-nous traverser la mer rouge et porte-nous vers la terre promise. Donne-nous de découvrir les objectifs que tu as pour nous et non de nous cantonner aux moyens. Quand nous aurons découvert les objectifs, tu nous donneras les moyens. Tu n'as pas changé. Nous croyons que ce qui y est arrivé il y a 50 plus de 50 ans maintenant, et encore arrivé. Nous voulons du mal pour personne, car le mal n'engendra que le mal. Mais ton peuple veut seulement la liberté, et tu es Dieu de liberté. Donne-nous de comprendre, car tu peux toucher le cœur pour que nous puissions comprendre. Papa, il y a un homme qui a fondé notre petit pays ici à Dakar.
Mais ce pays, toi, notre Seigneur, tu as un projet pour lui. Merci pour tout ce que tu as fait et que tu fais pour notre pays, pour le peuple, depuis les temps anciens jusqu'à maintenant. Dans les différentes étapes de l'histoire du pays, la période précoloniale avec son cortège de traite négrière, tu étais là. La colonisation avec son lot de brimades, d'oppression et d'exploitation, tu étais présent. La décolonisation marquée par la lutte pour l'indépendance, tu étais encore là. Et l'après-indépendance, marquée par la lutte pour la démocratie, tu es toujours avec nous. Dans ce moment difficile, ce désert que le peuple a traversé, tu étais présent et tu l'es encore. Même si nous, nous oublions souvent que tu es un Dieu vivant, que tu es le Dieu qui transforme même les situations les plus difficiles, et qui change le désert en oasis, tu es toujours là avec ta présence rassurante. Merci Seigneur. Nous nous souvenons du Togo, colonie modèle, du Togo, la Suisse de l'Afrique, du Togo, l'or de l'humanité. Merci Seigneur. Tu es le Dieu éternel. Tu maîtrises le passé, le présent et l'avenir. Rien ne saurait t'empêcher de mener à terme ton projet. Projet d'amour, de liberté, de justice et de paix pour le Togo. Reçois, Seigneur, notre reconnaissance infinie. Ne nous retire pas ta grâce, mais renouvelle-la sur tout le Togo, sur tout le peuple togolais, sur nous ici rassemblés, afin que ton règne d'amour, de liberté, de justice et de paix vienne et avance parmi nous. Seigneur, dans ta clémence, accueille notre prière et affermis-nous dans la reconnaissance et l'obéissance de la foi par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ceux qui croient sous l'emprise
du malin. Que c'est en éliminant les frères, les autres, qu'ils peuvent vivre. Et qui entretiennent la violence. Et qui sont portés par cette violence. Ou qu'ils exercent. Pour que l'autre ne soit plus avec eux ou devant eux. Libère-le de cette violence et que la force de ton amour qui seul construit les accompagne et soit leur force d'action. Ceux qui sont physiquement ou moralement touchés par cette violence, Seigneur, libère-les. Et que ta lumière les pour ce que tu nous donnes chaque jour dans la terre. De nos amis. Donne-leur de se construire en considérant l'autre qui est face à eux pour découvrir ton amour, ton maître à l'image duquel tu nous as créés afin que la vie soit vie pour chacun de nous et que cette vie soit portée par la non-violence. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus qui n'a pas répondu et qui s'est laissé crucifié afin que nous ayons la vie pour toujours. Amen. Nous te glorifions, nous t'élevons parce que tu en es digne. Et dans le modèle de prière que tu nous as donné, le Seigneur nous a appris à invoquer ton règne sur la terre et dans les cieux. Ton règne de justice, de paix et de vérité. Père, aujourd'hui, nous voilà encore au pied du trône de gloire. Venir à toi, parce que tu as la solution, Père trois fois saint. Tu es la solution, tu es la justice, tu es la paix. Tu nous as enseigné à nous saluer, Shalom Aleikum, que la paix soit avec toi. Père, tu nous as appris à prier, mais aujourd'hui, je viens à toi avec tes propres mots. Ton verbe, parce que tu n'es point un homme pour mentir. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Tu as promis à ton peuple un projet de paix et non de malheur, afin que chacun ait un avenir et de l'espérance. Père, tu es le Dieu véritable,
Et ton Fils nous a promis sa paix. La paix, pas comme le monde la donne. La paix véritable. Père, tu es la source véritable de cette paix. Nous invoquons la justice et la vérité. Enseigne-nous, Père, à être nous-mêmes justes et vrais. Un homme politique l'a dit, la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Père, aide-nous à mettre en pratique ce que tu nous enseignes. Aujourd'hui, tu nous as inspirés à mettre plusieurs de tes tests dans le recueil que nous diffusons aujourd'hui, afin que nous puissions, Père, continuer à prier, à nous tenir à la brèche, sans cesse, afin que tu ne détruises point. Parce que pour nous qui croyons, nous savons, Père, que la démocratie est une légitimité et manifester pour la liberté est un droit imprescriptible. Mais certains doivent aussi se tenir pour accompagner ces actions, pour que le malin qui veut juste diviser, les esprits malins contre lesquels nous luttons, parce qu'on l'a dit aujourd'hui aussi, beaucoup aspirent à la paix, à la justice et à la vérité, mais ils n'arrivent pas à faire le bien qu'ils veulent faire et ils font le mal qu'ils ne veulent pas faire, Père 3x100. Oh Dieu, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui parce que nous avons compris qu'il y a les actions dans ce monde, mais également nous savons que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, si l'Éternel ne bâtit pas cette paix, les choses se construiront en vain et l'alternance à laquelle le peuple aspire peut être suivi comme en France à la Révolution française d'une terreur. Père, guide les différents acteurs, les leaders, sans précipitation. Moïse, quand il s'est adonné à la violence, le peuple que Dieu lui a confié a dû traîner dans le désert 40 ans. Père, montre-nous le chemin. Nous savons que les hommes peuvent faire, mais nous voulons faire selon tes voies. Alors, prends le contrôle. Nous nous abandonnons à toi. Père, regarde à nous qui sommes là et qui prions ici, en esprit, en vérité, parce que nous savons, nous, que ce n'est pas par force ni par puissance, mais par ton esprit et ton esprit seulement que le peuple sera délivré. Père, que s'accomplisse ta promesse. Et nous te remercions, Papa de gloire, pour la paix que tu donnes à ton peuple, la justice, la liberté. Tu l'as même concédé, toi, une part de ta toute-puissance pour garder l'homme libre. Mais nous voulons une vraie liberté, parce que nous savons que tout est permis, mais tout n'édifie pas. Père 3x100, fais en sorte que ta sagesse touche les cœurs. Nous savons que tu peux le faire, de ceux qui dirigent. Incline pour qu'ils comprennent qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les rois de cette terre de régner. Mais alors, nous qui sommes aussi ici aujourd'hui, nous invoquons ton règne véritable. Prends le contrôle. Nous savons que tu en es capable. Père 3x100, nous te remercions parce que nous savons que tu nous as exaucés. Nous avons ainsi lié. Amen.
dans ce Christmas sermon, en dit sermon de Noël pour sur la paix, Martin Luther King disait, d'une manière ou d'une autre, il faut dresser contre nos pires ennemis en leur disant, avoir la capacité de nous faire souffrir, nous oppose notre capacité à souffrir. À votre force physique, nous répondons par notre force morale. Faites-nous ce que vous voudrez, nous continuerons à vous aider. Mais ne doutez pas que notre capacité à souffrir finisse par vous épuiser et que nous gagnerons finalement notre liberté. Et pas seulement notre liberté, nous en appelons aussi bien à notre cœur et à notre cœur et à votre conscience pour que nous vous gagnions aussi vous à cause à, nous vous gagnons vous aussi à notre cause et que notre victoire sera double. Nous ne vous laisserons pas à votre capacité de nous faire souffrir. Dieu nous donnera la force de souffrir, d'être là. Et en faisant, nous allons vous épuiser. Et c'est là que nous aurons notre victoire. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on sort, on tue deux, mitana. On peut se replier pour mieux revenir. Notre force morale nous portera, notre conviction nous portera, mais nous gagnerons notre liberté. Mais pas seulement notre liberté, mais aussi la vôtre. Parce que nous vous gagnerons à notre cause, qui est la cause de la liberté pour tout un chacun. Réfléchissons plutôt dans ce sens pour que nous soyons toujours ensemble et non divisés. Les uns d'un côté, les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Il y aura toujours la guerre. Je vous invite à vous lever. Mes frères et sœurs, Dieu nous a appelés à la liberté. Que cette liberté soit notre objectif. La liberté, le vivre ensemble, l'unité, l'union. Car Dieu est un Dieu d'unité et d'union. Il nous invite à aller dans la paix, dans la joie et surtout dans l'espérance. Portez pas notre foi et que notre foi soit active. Allez, vous déterminez dans cette espérance-là. Amen. Donc, Richard, au vacances, un jour.